Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui va parler d'histoire et de fiction, que ce soit des films ou des séries, voire même des jeux vidéo, et dans laquelle on va tâcher de relever les inspirations ou les approximations qui peuvent être faites dans ces dernières. Pour ce premier épisode, on va s'attaquer à une petite partie de l'immense Game of Thrones qui s'appuie assez fortement sur la vraie histoire pour développer ses intrigues. Et pour inaugurer ce format, je suis en compagnie de deux camarades qui vont m'aider pour cette émission. Nico, qui réalise l'émission sur les séries pilotes. Nico, qui réalise l'émission spécialisée dans les séries pilotes. J'arrive ! Et David, qui lui aussi parle d'histoire à travers son émission Le Cartographe. Pour cette partie, on va se concentrer sur les origines de l'univers de Game of Thrones, sur sa géographie, sur le début de son histoire, bref, un petit peu tout ce qu'on peut raconter sans trop de spoil. Allez, c'est parti ! Game of Thrones est, avant d'être une série télévisée, une série de livres de fantasy créés par George Raymond Richard Martin, ou en français, George Raymond Richard Martin. Cependant, nous allons nous étendre davantage sur la série, car elle est plus commode pour nous permettre d'étudier un peu tout ça. Et au cas où vous sortiriez de votre grotte, un petit résumé de la série par Nico. Let's go! Le monde de Game of Thrones n'est pas comme le nôtre. Outre le fait que les étés s'étalent sur plusieurs années et les hivers sur deux fois plus de temps, le territoire est grosso modo construit autour de deux continents. Westeros à l'ouest, et Essos à l'est. Le monde est bien fait. Vous faire un résumé un tant soit peu complet du bousin est tout bonnement impossible, car la série est construite autour d'un immense entrelacement d'événements, de guerres, de trahisons et de membres découpés. Une sorte d'énorme film choral hardcore, s'étalant sur plusieurs dizaines d'heures. Revenir sur l'ensemble des intrigues me prendrait donc beaucoup trop de temps. Et j'en connais un qui serait pas super d'accord. Chut, no spoil. Cependant, je pense que l'on peut simplifier le tout en vous parlant de la trame principale. Game of Thrones, comme son nom l'indique à peu près, nous raconte l'histoire d'une guerre de pouvoir divisant plusieurs familles, revendiquant les unes après les autres la place de roi. Ce titre donnant à celui qui l'obtient le droit de porter une couronne trop stylée et de s'asseoir sur un trône ayant l'air tout à fait inconfortable. Trop de la balle. Même si les scénaristes arrivent à créer de l'empathie pour certains personnages, avant de les tuer... Nico, on a dit pas de spoil. Personne n'est vraiment honnête dans Game of Thrones, et tout le monde cherche d'une manière ou d'une autre à tirer avantage de la situation géopolitique instable dans laquelle se trouve le royaume. Bref, hormis quelques rares exceptions, tout le monde est plus ou moins pourri, quoi. Si la série comporte de nombreuses créations originales, nul doute que notre bon vieux George s'est fortement inspiré de l'histoire française et anglaise pour construire son univers. La trame principale de Game of Thrones est ainsi largement influencée par la saga des Rois Maudits, mais aussi par la guerre de Cent Ans et la guerre des Deux Roses. D'ailleurs, il l'avoue lui-même, c'est sa partie préférée de l'histoire d'Angleterre. On va pas détailler la guerre des Deux Roses dans cet épisode, mais néanmoins on y reviendra de temps en temps quand on présentera certains protagonistes. Faisons tout de même un petit récapitulatif. Cette guerre commence en 1455, alors que la guerre de Cent Ans vient juste de se terminer et que les Anglais se sont fait rouler dessus par les Français. Les soldats rentrent au pays où les tensions internes sont palpables. En effet, la maison d'York et celle de Lancastre ne semblent pas vraiment d'accord pour savoir qui va diriger le royaume. C'est donc le début d'un conflit qui dure 30 ans et qui voit de nombreux morts, des alliances, des complots, des trahisons, bref, des trucs qui font que ça pourrait être chouette d'en faire un livre et une série. Avant de découvrir quelques parallèles entre notre monde et celui de Game of Thrones, il y a peut-être déjà quelque chose qui a attiré votre attention. Un roi qui meurt, deux familles qui se battent pour reprendre le trône, les York et les Lancastre. Eh mais attends, mais oui, mais c'est... Ouais, tout à fait. Les York, c'est les Stark, et les Lancastre, c'est les Lannister. Mais quoi de mieux qu'un petit tour par la géographie de l'univers de Game of Thrones pour commencer notre introduction. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, histoire et géographie ont toujours fait bon ménage. Sauf pour moi, qui ai toujours cru que Dijon, c'était au nord de la France. Bref, je préfère tout de même laisser un expert vous en parler, donc place à David et à ses cartes. Chaque épisode de la série s'ouvre sur la carte du monde dans lequel se déroule l'histoire. Cette carte, elle permet au spectateur de se remémorer la géographie du monde dans lequel il va s'immerger. Et ce monde, il a ses propres composantes géographiques et politiques, avec ses océans, ses villes, ses états et ses trois continents, Westeros, Essos et Sotorios. Mais ce dernier continent n'apparaissant pas dans la série et étant totalement inexploité dans le livre, on va faire l'impasse dessus. Le trône de fer au centre de toutes les intrigues se trouve à Port-Réal, sur la côte est de Westeros. La première chose qui attire le regard, c'est la similarité entre la forme du continent, Westeros, et la forme de la Grande-Bretagne. Cette ressemblance est encore plus frappante lorsque l'on oriente la Grande-Bretagne vers le sud. On peut alors presque identifier sur la carte de Westeros
les côtes du Pays de Galles ou encore la côte ouest de l'Écosse. Cette ressemblance n'est pas étonnante. L'auteur s'est inspiré de l'histoire de l'Angleterre et de l'Écosse médiévale pour écrire son récit. Si Westeros ressemble à la Grande-Bretagne, il n'en a pas la taille. Vous pouvez voir sur cette carte la Grande-Bretagne à la même échelle que le continent imaginaire. Westeros a donc plutôt la taille de l'Amérique du Sud. Il s'étire sur plus ou moins 7100 km. Sur la plus grande partie de Westeros s'étend le royaume des Sept Couronnes, un état de type féodal. Ce système repose sur une délégation d'une partie du pouvoir du roi, siégeant sur le trône de fer à Port-Réal, à des seigneurs. Ces grandes familles aristocratiques sont les familles Stark, Arryn, Tully, Lannister, Greyjoy, Tyrell, Baratheon et Martell. La région située au nord du continent est isolée du royaume des Sept Couronnes par le mur, gigantesque construction de glace protégeant le royaume des populations hostiles vivant de l'autre côté. Ce mur, il peut tout à fait être comparé au mur d'Adrien et au mur d'Antonin qui permettaient à l'armée romaine de se protéger contre les invasions barbares des Pictes. Mais on en reparlera dans un prochain épisode. Sur le continent Essos, on trouve 9 cités libres, des états esclavagistes, la cité marchande de Qart et les steppes de la mer de Dothrak où vivent les Dothrakis et leur impitoyable chef, Khal Drogo. On en reparlera aussi de Khal Drogo puisqu'il s'inspire très fortement d'un personnage historique, mais dans un autre épisode. Parce que maintenant, on va s'intéresser au personnage qui est à l'origine de toute cette histoire, le mec qu'on n'a jamais vu mais sans qui toutes ces trahisons, tous ces morts, toutes ces intrigues n'auraient jamais eu lieu, The Mad King, ou le Roi Fou en français. Le monde de Game of Thrones tel qu'il est relaté dans la série n'en est pas à son coup d'essai en termes de gros bazar politique. Si l'on remonte quelques années en arrière, avant que Robert Baratheon ne devienne un roi imposant, en tour de taille... You got fat. Les Sept Couronnes étaient dirigées par un certain Aerys Targaryen, aussi appelé le Mad King, issu de nombreux mariages consanguins. Mort bien avant le premier épisode de la série, ce dernier n'est finalement jamais montré à l'écran. Il est cependant assez simple d'en tirer un court portrait, en se fiant aux descriptions que certains personnages en font. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image qu'il renvoie n'est pas franchement fun. Enfin, après, tout dépend à qui on s'adresse. Hein. Si on se tourne du côté de son fils, par exemple, Viserys Targaryen, qui a très certainement hérité génétiquement de la folie de son père... C'est possible, ça ? Bah, ils le disent dans GTA V, hein, donc ça doit être vrai. Bref, le fiston Targaryen, faisant tout ce qu'il peut pour récupérer le pouvoir royal de son papa, tentera certainement de nous convaincre de la bienveillance qu'avait pu avoir le roi déchu sur l'ensemble de son peuple. Mais force est de constater que beaucoup d'autres ne sont pas forcément de cet avis. Violent, paranoïaque, cruel, impitoyable, brutal, ainsi que plein d'autres qualificatifs appartenant au champ lexical de la méchanceté, le Mad King ne porte finalement pas ce nom par hasard. Devenu complètement ingérable vers la fin de son règne, en exécutant à tout va les membres des familles Stark et Baratheon, il n'est donc pas très étonnant de voir que ces derniers aient pris les armes afin de virer au plus vite ce cinglé du trône. C'est moche. Aerys II Targaryen est en fait inspiré non pas d'un roi, mais de deux qui font partie de la même famille, Charles VI et Henri VI. Si c'est la folie qui marque le règne de ces deux rois, à l'instar de la famille Targaryen, on peut soupçonner que cela soit dû à une trop grande consanguinité au sein de leur lignée. En effet, Charles VI le Fou était déjà mal parti avec ses aînés qui se bécotaient entre eux. Ainsi, sa mère était déjà sujette à des crises de psychose amnésique, son grand-père était à moitié zinzin, et son oncle souffrait de ce que l'on nommait la mélancolie. On passe aussi rapidement sur ses frères et sœurs qui n'étaient pas très nets non plus. Ces épisodes de folie ponctuent toute sa vie d'anecdotes plus ou moins rigolotes et surtout dramatiques. Jean Froissart, un chroniqueur de l'époque, explique ainsi une de ses premières frasques vers 1392. Ainsi, un beau jour, alors que le soleil frappe fort et haut dans le ciel, le camarade chevauche avec sa suite en direction de la Bretagne pour guerroyer. Le roi, prenant un peu de distance avec ses hommes, se fait alors soudainement alpaguer par un homme étrange qui saisit la bride de son cheval et le met en garde. « Ne chevauche pas plus en avant, noble roi, tu es trahi, lui dit-il. » Si l'homme est rapidement écarté du groupe, ses paroles trouvèrent apparemment un écho dans la tête de Charles VI. Quelques minutes plus tard, un page faisant partie de son escorte somnole quelque peu et laisse échapper sa lance qui vient cogner avec fracas contre le casque d'un second page. Charles se retourne, paniqué, dégaine son épée, crie au complot et se met tout simplement à attaquer tout le monde autour de lui, y compris son propre frère Louis Ier d'Orléans. Si le roi est finalement maîtrisé et attaché sur un chariot où il perd connaissance, il a tout de même le temps de tuer 4 personnes. A partir de cette époque, les crises deviennent régulières, mais elles s'intensifient après 1393 et ce que l'on nomme le bal des Ardents. Lors du mariage d'une amie de l'épouse du roi, un bal est organisé et Charles VI décide de se déguiser en sauvage avec plusieurs autres seigneurs en se recouvrant le corps d'étoupe et de poids. Ouais,
des matières un peu enflammables. On éloigne les bougies et les torches, et au son de la musique, les larrons s'amusent à jouer de leurs apparences parmi les convives. Jusque-là, ça va, c'est juste une bande de potes qui s'amusent. Mais le frère du roi, Louis, qui avait passé la soirée dans une taverne, rejoint les festivités complètement ivre avec une torche. Et vu que justement, il est torché, il approche le feu des fêtards pour mieux les voir. C'est le drame, les costumes s'enflamment, les seigneurs hurlent et courent dans tous les sens. L'un arrive à se jeter dans une bassine servant à laver les couverts, tandis que Charles est sauvé par sa tante qui vient étouffer les flammes. Les quatre autres seigneurs n'ont pas cette chance et décèdent dans cette tragédie. C'est cet événement qui fait totalement basculer Charles VI dans la folie. Et chose amusante pour cet épisode sur Game of Thrones, on qualifie rapidement ce frère torché de régicide. Tiens, tu t'y connais en histoire maintenant? Absolument pas. Je trouvais juste ton script un petit peu long, c'est tout. Ah. Aerys II Targaryen est donc inspiré de ce personnage assez étrange, il faut bien le dire. Mais pas que, car Henri VI, le petit-fils de Charles VI, a lui aussi participé à l'élaboration de sa personnalité. Mais au contraire de son grand-père, qui manifeste souvent sa folie par des excès de violence, Henri est lui complètement passif, on le dit même d'une extrême bienveillance. Il est parfois totalement déconnecté de la réalité et ne répond plus du tout aux stimuli extérieurs. D'ailleurs, même la naissance de son fils Édouard le laisse de marbre. Mais pendant ces moments de clarté, il reste dans son monde de bisounours, ce qui est assez dérangeant puisque c'est pendant son règne que se déclenche la guerre des deux roses. Du coup, il aurait peut-être mieux valu un dirigeant avec une véritable poigne de fer pour diriger le pays. C'est d'ailleurs sa femme qui reprend la régence du pays. Cette double personnalité d'un roi violent, intransigeant et parfois cruel comme Charles VI, et sensiblement déconnecté du reste du monde comme Henri VI, se manifeste tout au long du règne de Aerys, et c'est ce qui engendrera une situation qui aboutira au début de l'intrigue de Game of Thrones. Ah oui d'ailleurs, ça me fait penser. Lorsque je vous parlais des déviances mentales du Mad King, je n'ai pas vraiment pris le temps de vous parler de ses lubies. Car si certains jouent au golf pour se détendre, d'autres comme Aerys Targaryen se passionnent pour les flammes et s'amusent à tout faire cramer. Après, qui sommes-nous pour juger ? Son affection pour le feu, couplée à l'instabilité psychologique que j'évoquais tout à l'heure, se traduisait généralement par de savoureux barbecues de chair humaine agrémentés de cris de douleurs abominables, le plaisir atteignant son paroxysme si la victime se faisait évidemment cuire vivante. Si c'est pas mignon tout ça. Mais malheureusement pour lui, son œuvre finale n'a jamais pu se réaliser. En effet, ce fou furieux projetait de transformer la ville de Port-Réal, la capitale du royaume, en immense brasier. Alors qu'il allait mettre son plan macabre à exécution, la main du roi de l'époque, Jaime Lannister, censé être son plus proche collaborateur, le stoppa d'un violent coup d'épée dans le dos. Vous avez dit lâche ? Vouloir faire cramer toute une ville, c'est une chose, hein. Mais si l'ambition d'Aerys n'était pas due au hasard? Et si George Martin s'était une fois de plus inspiré d'un personnage réel? Il peut être tentant de faire le parallèle avec le célèbre empereur Néron et avec l'épisode du fameux incendie de Rome qui ravage une grosse partie de la ville en juillet 64. À cette époque, un départ de feu près du Grand Cirque est attisé par le vent et se propage à travers toute la ville. Il détruit intégralement des quartiers de Rome et laisse près de 200 000 sans-abri derrière lui. Problème, on ne sait pas vraiment quelle en est la cause, et là, plusieurs théories s'affrontent. Et parmi ces dernières, l'implication de l'empereur Néron lui-même. Il faut dire qu'il était lui aussi un peu dérangé, le bougre. Bref, passionné d'art grec, Néron aurait pu mettre le feu à la ville afin de provoquer chez sa personne une certaine inspiration lui permettant de composer un poème sur la prise de Troie. Si certains historiens comme Tacite font part de cette rumeur dans leurs écrits, aucune affirmation ne peut se poser sur la responsabilité de l'empereur. Encore un mystère de l'histoire. La personnalité d'Aerys est donc très complexe, mêlant à la fois une certaine bienveillance avec des accès de fureur où il répand le sang autour de lui. Et c'est particulièrement intéressant de voir que cette complexité se retrouve chez des grands hommes de notre histoire. En puisant dans l'histoire d'Angleterre, mais aussi de France, George Martin a réussi à créer un univers très complexe et très crédible, qui maintient en haleine depuis plusieurs années des millions de lecteurs et des millions de téléspectateurs. Plus qu'une simple série adaptée, c'est une œuvre qui marque une génération entière. Pour cet épisode, c'est fini, mais quelque chose me dit qu'on a juste effleuré la surface de l'iceberg. Et si analyser toute l'histoire de Game of Thrones serait un poil trop long, on vous a préparé un prochain épisode qui tabasse en revenant sur toutes les fins de saison et leurs liens avec l'histoire. Carrément ? Enfin, si vous avez aimé, hein, bien sûr. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en se lançant là-dedans ? Tu parles à qui, là ? Merci à Nico et David pour leur participation, hein, c'était très sympa de leur part de participer à cet épisode. Vous pouvez retrouver leur chaîne en cliquant sur les vignettes, je vous promets que vous le regretterez pas. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee et que des news en tout genre sont régulièrement diffusées sur Facebook et Twitter. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du nouveau format, un petit like si vous avez kiffé, et puis n'oubliez pas, surtout comme d'habitude, de partager à fond. Allez, à la prochaine !